Alors, on va commencer par mettre un capot en cinquième case. Le premier accord, c'est un Do. Donc, on va faire cinquième corde, troisième case. Deuxième case sur la quatrième corde. 0 sur la troisième corde. Et 1 sur la deuxième corde. Alors, les doigts, ça va être le pouce sur la cinquième corde et l'index sur la troisième corde. Et on joue les deux notes en même temps. Ensuite, on va faire la quatrième corde avec le pouce. Et ensuite, on va faire la deuxième corde avec le majeur, troisième corde avec l'index et quatrième corde avec le pouce. Donc tout doucement. Voilà, donc ça, on va faire deux fois, sauf que la deuxième fois, on enlève les doigts et ça fera un 0 sur la quatrième corde. Donc tout doucement. Pour le deuxième accord, c'est facile, il n'y a qu'un seul doigt à poser, ça sera sur la troisième case de la sixième corde. Donc là, on va prendre la sixième corde et la troisième en même temps. Quatrième corde, et toujours deuxième, troisième, quatrième. Et là, on fait deux fois pareil. Troisième accord, ça va être la deuxième case sur la sixième corde et la deuxième case sur la troisième corde. L'arpège, c'est toujours le même. La sixième corde et la troisième en même temps. La quatrième corde avec le pouce. Et toujours deuxième avec le majeur. Troisième avec l'index. Et quatrième avec le pouce. Donc, le troisième accord. Deux fois. Dernier accord, c'est un mi mineur. Donc, on a la deuxième case de la cinquième corde et la deuxième case de la quatrième corde. Toujours pareil, on fait la troisième corde et la sixième corde en même temps. La quatrième corde. Deuxième, troisième, quatrième. Et la deuxième fois, on enlèvera le doigt sur la quatrième corde pour faire un zéro aussi. Donc ça fera la deuxième fois. Donc les deux fois à la suite. Et on repartira sur le Do, puisqu'il y a les quatre accords qui tournent en boucle pendant toute la chanson. Donc tout doucement, tout l'arpège. Pareil.